cette petite écharpe. Stylé, elle est bien. Non, elle est bien, hein. Franchement, elle est bien. Stade vraiment qui pue le foot, bien ancré dans son jus. Regardez, il est là, tu sais. On est là. Regardez-le. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est dans la chambre de tête, à côté du stade que nous allons visiter. Ce soir, on se rend donc au match entre le Red Star et Avranches. On est dans la chambre de tête, près du stade. On est à 400 mètres du stade. Et en plus, ce match oppose deux anciens Tubiliens. Donc il y a du côté d'Avranches, Emeric Duduit. Et du côté du Red Star, nous avons Quentin Bernardo, qui était gardien avant à Tubize. Comme à notre habitude, ça sera un vlog découvert. Si vous voulez en savoir plus sur le club, je vous invite à aller voir la vidéo de Samos TV, je mets le lien dans la description en dessous. Vidéo exceptionnelle. Tu as vu la vidéo? Exceptionnelle. La vidéo vraiment, incroyable. Vraiment génial parce qu'on apprend à connaître plein de choses sur Gore, tout simplement, sur le stade, sur les supporters, sur l'origine de ce club, et c'est quelque chose de juste exceptionnel. Bon allez, on perd pas plus de temps, on sort de cette chambre d'hôtel et on va découvrir ce qui se passe autour de ce stadium. Un petit café là qu'on nous a conseillé en face du stade l'Olympique en face du stade Bauer. On est passé devant, ça avait l'air sympa quand même. Et les stickers, il y en a quand même. Pas mal, hein, c'est bien. Franchement, ça respire le football. C'est génial. Ça respire le club familial. C'est ça. Les gens viennent ici pour des choses en particulier. Ils viennent pas au stade comme s'ils allaient à l'opéra ou quoi. Là, c'est vrai. Il vient pour le football, l'ancien football. Et c'est bien. Bon, petit café, on est à l'Olympique en face du stade. Sur les conseils de notre ami Joe. Donc voilà. Bon, après avoir bu ce petit café à l'Olympique et qu'il nous reste quand même encore 3h30 à tuer. 3 bonnes heures, on va aller manger. Maître kebabier, Adrien. Ça va être bon. Ça va être bon. Bon, on a installé Audroom, Maître kebabier, 32 boulevard Jean Jaurès. Bon, bah les gars, bon appétit. Hein. Je vous le dis, c'est incroyable. Non, ça, franchement, s'il y a un endroit à vous conseiller, c'est Audroom, rue Jean Jaurès, 32, je crois. Tu verras, c'est incroyable. Bon, allez, direction ben, le fameux stade Bauer. Tough luck, babe. Struck out when you have about 30 chances. One bad day. Now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna climb. Bon, ben on a craqué, hein. J'ai craqué. Eh, non, mais elle est belle, franchement, elle est belle. Elle est bien. Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning and I can't seem to get back on my feet. And I might give on up. Cause I'm falling down now. I won't be good enough. I miss it. Those days. Les toilettes du Red Star, c'est incroyable. Incroyable. On est dans la tribune est latérale de la tribune Bauer. Let's go, c'est parti. Hey, quand on dit que c'est à l'ancienne, hein. Ah ça, hein, oui. Plus à l'ancienne que ça, tu meurs. Hein. Mais j'aime bien, hein. Déjà c'est un stade qui est dans la ville, c'est un stade qui est vraiment à l'ancienne. Et par contre, on n'a pas beaucoup de place pour les jambes. Hein. Là, s'il y a quelqu'un devant, je lui fous un coup de boule. Hein. Enfin, un coup de genou, quoi. Voilà, niveau siège, j'ai pas beaucoup de place. En vrai, le confort, on est bien dedans. Non, mais on est bien dedans, on est bien dedans. Par contre, on est bas, hein. On est proche au niveau du terrain. C'est bien, ça. C'est bien, hein. Non, mais c'est bien. Après, on a pris les places. Ben, j'ai pris les places proches du terrain aussi, tu vois. Génial. Et là, tu peux prendre aussi. Là. Très content d'être là, Fabien, dans ce stade mythique. C'est ça. Il gueule dans mon oreille. Un stade particulièrement atypique, mais un stade à l'ancienne. À noter que la tribune en face de nous est totalement en rénovation. Un stade enclavé dans le centre derrière la débute. Un HLM, c'est vraiment dont l'architecture est typique.
c'est vraiment un endroit à faire. Même si ça peut paraître vétuste, ancien, etc., ça sent bon le foot comme on aime, quoi. À noter que pour ce match, le Red Star est premier de son championnat national. De part et d'autre des deux équipes, un joueur qu'on connaît dans chaque équipe, avec Quentin Bellardo du côté du Red Star Paris, passé par l'FC Tunis. Émeric Dulouis de l'autre, capitaine d'avance. Et bien entendu, du côté du Red Star, un ancien joueur de Ligue 1, et non des moindres, le capitaine Cher Ndoye, 37 ans. Passé aussi par Birmingham, et bien évidemment le SCO d'Angers, il est resté là 4 ou 5 saisons. Un véritable milieu de terrain robuste, taillé pour la deuxième division anglaise, voire la première ligue dans sa jeunesse, même s'il ne l'a pas fait. Et le capitaine du Red Star, l'entraîneur du Red Star n'est autre que Habib Bey, passé par le plus de fond de la formation du PSG, ensuite de l'OM, il est passé aussi par Strasbourg, si je ne m'abuse, et pour terminer sa carrière du côté d'Aston Villa et des Doncaster Rovers. Je ne vais pas dire grand chose. Mais c'est bon, c'est bon. Je ne vais même pas vous dire combien de places il y a dans ce stade. On a discuté avec le mec qui tenait le bistrot l'Olympique. Plus ou moins 3000 places, il nous a dit. Quand il sera fini, plus ou moins 10 000 places. C'est ce qu'on nous a dit. Hein. On met toujours les choses entre parenthèses parce qu'on n'est pas certain. Stade vraiment qui pue le foot, bien ancré dans son jus, qui fait ressentir les valeurs du Red Star. Voilà, vraiment un stade bien dans son jus. Et... ouais, très content d'être là aujourd'hui, Fabien. Merci. C'était l'analyse d'Adri, je ne l'ai pas précisé en début, mais c'était l'analyse d'Adri. Voilà, d'une autre manière, parce qu'on ne connaît pas grand chose. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, sur le Red Star actuellement. Donc voilà. On fait à 10, ouais. Tout seul, mais si tu prends avec une autre t-shirt, on fait qu'à 5 euros. C'est ce qu'on appelle un craquage organisé. Moi, j'ai acheté des stickers, bon, clairement déconné. Moi, j'ai pris deux écharpes, un t-shirt. Bah, le t-shirt, il est magnifique, hein. Franchement, le t-shirt incroyable. On se disait avec Adrien, la musique, elle donne vraiment envie. C'est une musique jeune, une musique un peu de rap. On voit qu'on est dans le 9-3. C'est vraiment bien. Non, c'est vraiment bien. Cette énergie de notre capitaine, nul doute que vous serez au rendez-vous. Tu vois où il est, Emric ? Bon, on se posait la question au niveau de la pelouse. Est-ce que c'est du synthétique ou de la pelouse naturelle, quoi ? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Donc, si vous avez nous le dire en commentaire, ça serait sympa. Merci beaucoup. Bon, donc, il y a 5 blocs. Hein. Donc, on se retrouve dans cette tribune principale du stade Bauer. Divisé en 5 blocs. Divisé en 5 blocs. On est dans la tribune latérale est. Il y a ouest. Tribune d'honneur centrale. Et après, je sais plus le nom. Il y a le Club Bauer là-bas au fond. En face de nous, on a la tribune qui est en construction. Quand elle sera finie, elle va être magnifique. Ouais, mais je crains une chose. Le problème, c'est que si il drage, le tout va être trop court. Et les gens sont mouillés. Bon, les joueurs arrivent avec la musique d'entrée, elle est exceptionnelle. C'est génial. Regarde le cop. Bon, on voit rien. Clairement, on voit rien du tout. Mais le match commence. Voilà, c'est parti, Adri. Bon, Emric, si tu vois cette vidéo, je te préférerais avec le maillot Tubiz. Mais bon, le maillot te va bien quand même. Non, il est beau ce maillot. Si tu peux nous avoir deux maillots, s'il te plaît, ça serait gentil. Merci, hein. Merci, Emric. Le mec, il gratte. Bon, bah, c'est. 1-0, voilà, c'est après 3 minutes. 1-0 après 3 minutes. Ça joue bien. Hein. Emric, mon vieux. Elle est belle. Vas-y. Elle est belle. Elle est belle. Tu l'as. Oh. Ah bah c'est la mi-temps. Mi-temps donc 1-0. Il y a un mec derrière nous, ça fait 45 ans qu'il vient. Bon, on va essayer de se rapprocher un peu du cop, allez. Putain. Bon, on s'est rapproché, on est un peu plus près du cop. J'espère que vous allez entendre l'ambiance. Grosse occasion pour le Red Star, vas-y. Yeah. On est bien fait du cop. Il hein. Y a un bon cop hein, quand même. Ah, le cop est génial. On va se mettre là, attends, après l'occasion du Red Star. Vas-y. Oh purée. Bon, on est clairement mieux mis ici que de l'autre côté. Hein. Ça s'arrête pas. Non, mais ça change tout le temps. Quand t'as Bernardo, il est bon. Il est bon. Incroyable l'ambiance. Hein. On a bien fait de se rapprocher du cœur. Oh là 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 là. La frappe. Oh. C'est un peu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est incroyable. Oh, c'est génial. Ouais, le chant. Ouais, ils ont des chants géniaux. Ouais. Facile à retenir. Et qui entraînant. J'espère qu'on l'entend bien dans la vidéo. Ouais. Ça s'arrête pas. Putain. Si vous avez un stade à faire, je vous conseille de venir au Red Star FC.
Incroyable. Et prenez. Et d'acheter des écharpes. Et prenez une place près du cop. Et des t-shirts aussi. Et des stickers. Ouais, et une place près du cop. Chant tout ça, magnifique. Oh oui, joli. Et écoute le chant, quoi. Incroyable. De Détroit pour le national en France, mais eh. Dit on nous avait bien vendu le truc, hein. On a bien vendu le truc et le restage joue bien. Bon, le match est fini et une ambiance incroyable et magnifique, quelle ambiance. Non, mais moi je veux pas, je veux rester ici. Ça pourrait être un club qui te ferait bien. Je veux habiter ici, je vais déménager, merci. Tu vas finir par prendre un abonnement ici. Je vais pas prendre un abonnement. La Belgique, salut, merci. Je reste ici. Je suis parisien. Ouais, c'est compliqué, Émeric. Voilà. Bon, content de t'avoir revu en tout cas. J'espère que tu verras cette vidéo. Et on essaiera de venir te voir une autre fois à Branche ou. Si. Bon, ben on traîne un peu dans la zone des supporters et après on va rentrer tout doucement à l'hôtel. On fera la conclusion dans la chambre, hein. Il est occupé de manger son paquet de frites. Les frites. On va pas trop noter les frites. C'est moyen. Par contre, il y avait de la viande au barbecue. J'aurais bien testé. On aurait dû prendre ça, mais malheureusement c'est terminé. Mais ça valait sûrement le coup. On fait la conclusion de la vidéo du Restart. On est une semaine après. On espère que cette vidéo au Restart vous a plu. Ambiance magnifique. Stade rustique mais beau dans son jus. Les supporters du Restart sont juste franchement. On a rencontré des gens vraiment sympathiques. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, les mecs, voilà, au plaisir. On se reverra certainement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme dirait notre ami Adri, ici présent. See you the next week. Thank you for all pour le prochain match du côté de Eupen contre le Sporting Club d'Anderlecht. Non, parce que cette vidéo sortira après. Exactement. Donc la vidéo de Eupen est déjà disponible. Exactement. Il a pas suivi, hein. Non, on a été à Eupen, donc la vidéo est déjà disponible. Je vous mets un lien ici quelque part. Et le prochain match en vidéo, ça sera Westerlo Courtrai. Pour le maintien. La lutte pour le maintien. Ça commence à partir de maintenant. Et ça, on aime bien. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, à la prochaine. Salut les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas la cloche, le like et l'abonnement, évidemment. Salut. Bon, je vais dormir. Salut les gars. Ciao. Salut.